défendre les valeurs en France, comme les Calis Biala, comme les Denis Importer. Montre-moi que tu es une femme valable. Tu parles comme toutes ces femmes-là. Tu vas te cacher dans le Touara. Une femme qui vit dans une maison sociale. On l'a chassée dans la maison. Elle n'a même plus où dormir. Elle dort partout, sa femme sociale. Elle vient menacer une femme qui paye son loyer à 900 euros à Rennes, qui vit paisible. Tu peux me menacer. Tu vas m'envoyer à Konengi. Je n'appelle personne. Ne dis plus jamais que j'ai appelé quelqu'un. Je n'ai appelé personne de négocier quoi que ce soit. On m'a dit qu'il y a une nouvelle plainte, une autre plainte de la femme qui fait les tuyaux. Je l'attends. Elle-même, je l'attends. Ouais, vous parlez de quoi, les Françaises? Vous n'avez pas honte en tant que Français, vous venez menacer les gens. Les Françaises qui menacent les gens. Vous, à quoi vous sert le passeport français? À quoi vous sert le passeport français? Vous faites même honte. Si vous avez autant de pouvoir au Cameroun, venez accompagner la première dame au Cameroun. Venez accompagner la première dame, venez valoriser ses œuvres. Vous ne faites pas ça. Vous partez vous cacher en Europe, dans les boîtes de sardines. Certains dorment dans les foyers. Dans les Touaras, elles mettent l'ondiance, elles mettent les filles, on voit qu'elles sont les vraies femmes. Des voleuses patentées, métiers voleuses, escrocs dans les magasins. Je n'ai pas peur de toi. Je viens de me présenter le mardi. Tu as compris? Le plan que tu as voulu faire, là, qu'on va m'arrêter. Le week-end, va dormir, tu vas fumer, mais tu fais ou pas. Toi, c'est le matu vie de Facebook. Tu mens. Tu mens. Tu as compris, non? Tu mens. Je viens de me présenter le mardi. Je serai là mardi. Je ne peux pas fuir parce que je vous ai demandé pendant 2 semaines, depuis que je suis arrivé tous les jours, donnez-moi les plaines, donnez-moi la plaine. Je donne mon numéro de téléphone du Cameroun, je donne mon numéro de France du Cameroun. Vous ne me donnez pas une plainte. Vous partez sortir la vie de recherche. Je suis volé. J'ai volé pour moi sur la vie de recherche parce que vous voulez montrer aux gens à ces filles que vous avez des relations. Vous n'avez zéro relation. Mesdames, venez au Cameroun travailler comme les coutesses. Venez au Cameroun travailler comme coutesse. Venez travailler au Cameroun comme les Nathalie Mundiki. Venez travailler au Cameroun, vous montrez, vous êtes des vraies femmes. Vous vous cachez en France, dès les culs des vieux, des vieux ouais, quand vous ramassez le caca quand ils dorment, quand ils quittent le caca. Hein? Vous vous cachez en France, dès les vieux ouais. Hein? Sortez, venez rester au Cameroun. Et quand vous venez au Cameroun, venez cater avec les vieux dans les bureaux. Venez rester au Cameroun, on voit. Pouvez-vous que vous êtes Camerounaises? Vous partez pour les trafics de filles. La fille de qui? La fille de qui? Je suis une bosailleuse. Je n'ai pas peur de toi, Wafo. Wafo, pour toi là, tu vas m'envoyer à Konengi. Je jure, j'enlève mes lunettes. Je jure, c'est à toi, ma faute, maman. Je ne vais jamais te demander pardon. Je me suis défendu avec toi. Et c'est toi qui montes Clarisse contre moi. Parce qu'elle me sait au fond d'elle que je ne la dois pas. Je ne la dois pas. Je l'ai tout payé. Tout. Petite bande d'ingé. Elle dit que je suis tribaliste. Imbécile, va. Elle, je suis tribaliste. Elle manque quoi dire. Maintenant, c'est qu'elle a dit qu'elle est tribaliste. J'ai dit Bami Pawa. J'ai dit alors. Bami Pawa, c'est un conseil comme étant. Comme étant Pawa. Comme 100% Bassa. Donc, c'est ça. Hein? Dans la plainte qu'elle a utilisé les popos tribales. Toi, me vois, faut qu'ils ont que les bambliques sont les poids. Alors que tu es de mère Baram. Élevé dans l'environnement Baham, tu refuses ton village depuis. Je n'ai pas peur de vous. S'il te plaît. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur. Wafo, je serai là mardi. À la première heure, tu vas me voir là-bas. Peut-être que je ne fuis pas. Je n'ai jamais fui. Je n'ai jamais fui. Tu m'envoies la convocation, je partais. Le trafic de fiers, ce qu'on fait là, c'est qui ressemble à la tortue. N'ai l'air de mourir l'aide. Cette tortue ninja de Angolais, de femme qui court son doigt, qui court sa langue, qui court son doigt, le masque de la laideur. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu une femme aussi affreuse qui insulte sa mère dans les réseaux sociaux, qui vend la mort familiale, qui est en Europe depuis des années, qui n'a rien fait de sa vie. Elle est là pour danser le quoi, ça quoi, dans mon top, dans mes pipis. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je dis que je vous jure que je préfère aller en prison. Oui. Je préfère aller en prison que de payer quelque chose que je ne dois pas. Je suis comme ça. Vous partez appeler le président des caleçons, des pantalons percés, de aussi d'entrer dans. Viens entrer, mon frère. Viens entrer. Pour toi, je vais t'arrêter avec les mains. Ou je te crois, je vais t'arrêter avec les mains. On va se battre. Tu vas me taper. Pour toi, là, tu vas me taper. Ou je vais te croiser, c'est Adolem, c'est Yaoundé. Je vais t'arrêter, tu vas me taper. Tu vas me dire si moi je suis Tanga. C'est que tu cherches derrière moi. Le président de ta main, pantalon percé. Oui, elle a parlé, elle est tribaliste, ah bon?
Vous insultez les Bamlékés là tous les jours qui vous a apporté plein parce que vous êtes des. Vous insultez les Bamlékés. C'est sur moi que vous avez commencé. C'est lui qui commente, vous n'avez plus qu'à commenter, une bande de lâches. Vous venez attaquer, on vous donne vos dents, vous pleurez. On vous attaque, oui, quand je suis que j'ai peur. Vous venez attaquer les gens dans les réseaux sociaux, on vous donne vos dents, vous pleurez. Hein? Vous venez m'attaquer, je ne dois pas me remettre, je ne dois pas me défendre parce que j'ai peur de vous. Mouf! Envoyez-moi à Kondengui. Chouane, mouf! Bande de peureuses, de poulets, de fer. Moi, je ne vous dis pas où je suis à Kibi. Si tu as le satellite, viens me prendre à Kibi, je vois. Tu appelles mes amis proches, ils ne peuvent pas me vendre. Parce qu'ils savent ce que j'ai partagé avec eux. Ils savent que je suis leur ami, que je... ils connaissent mon cœur. Tu appelles partout, elle est où. Attends-moi mardi, je serai là. Mardi matin, la première heure, c'est moi qui va te sonner. Que je suis déjà, je vais lancer le direct quand j'entre au commissariat. Je dis maintenant que Melolomania, où c'est Kondengui, où c'est Mbeng. Si je reste à Kondengui, je compte sur vous. Occupez, papa Fondi, occupe-toi de Luis Gloria. Il va la prendre. Il va la prendre, ben c'est son père. Il va la prendre. Merde. À chaque fois que je vais au Cameroun, je peux pas m'amuser comme tout le monde. Elles sont des plaintes, des abusives. Elles me pourchassent. Vous me pourchassez pourquoi? Pourquoi vous me pourchassez? Vous avez dit que je n'ai rien. Mais vous êtes jalouse de mon charisme. Vous êtes jalouse de ma beauté. Vous êtes jalouse de mes idées. Vous êtes jaloux de mon concept à cœur ouvert parce que vous êtes incapable de faire des choses sur le net. Moi, j'ai fait quelque chose que les gens adorent. Vous êtes jaloux de moi. Mais c'est la jalousie. Elle n'a rien. Elle est pauvre. Elle n'a pas d'homme. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de saisie. Oui, je n'ai pas tout ce que vous avez. Dieu ne m'a pas donné tout ça. Mais il m'a donné le moral. Il m'a donné la force, l'énergie. Il m'a donné le courage d'affronter la vie. Malgré qu'il ne m'a pas tout donné, ce qu'il vous a donné. Je ne me plains pas. Mais vous qui avez tout, mais vous vous plaignez. Moi, je ne me plains jamais. Je ne dis pas que, ouais, pourquoi Dieu ne m'a pas donné telle chose. Je dis, la vie est faite ainsi. Peut-être mon rôle était de venir aider les autres. Je fais ce que j'ai à faire. Je meurs. C'est tout. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je ne pleure pas. Je ne me mets pas à dire que, ouais, pourquoi Dieu ne m'a pas donné ce qu'il a donné à cette telle femme. Non. J'accepte ça comme ça. Et ça ne me bousille pas le moral. Je reste toujours zen. Belle et chic. Oui, quand elle soit à Yaoundé, on dit que Dada Lolo tient une Bengis. La fashionista de Yaoundé. Ah ouais. Il y a une Lolomaya qui m'a vu hier. Elle me dit, wow, Tata Lolo, franchement, tu es fashion. Ouais, j'avais mis mon jogging déchiré avec un long haut. J'étais là comme Rihanna. Ouais, meuf, maman, il fallait voir le charisme de ça. Tout le monde me regardait que, yay, yeah, je suis allé manger au restaurant Sawa à Vogada. Quand ils sortaient du restaurant, il y a un gars qui était au restaurant, ils sont venus manger. Le gars, moi, ils m'ont attendu dehors. Il y a mon petit frère, voilà les dragueurs. Il me dit que oh, je te dépose, que non, j'ai pas besoin de ton taxi, de ta voiture. Une très belle voiture. Il a dit que non, moi, je prends les Yango. Je n'ai même pas répondu. Il a dit, vous avez besoin de quelque chose. Je n'ai même pas répondu. Je suis allé dans mon coin parce que mon petit frère avait commandé un Yango. Après, quand je vais entrer dans le Yango, il dit que maintenant, vous partez où je ne l'ai même pas regardé. Je suis entré dans le Yango, il a tapé, bang, oui. Benguette à l'aise, je suis dans ma salopette blanche comme d'habitude. Et mes lunettes, quand elles sont là, tout le tennis au pied. Quand elles sont là, je me dis qu'il y a dans Wanda Benguette. On voit les Benguette avec le Jang sans eau de Javel. Elles sont jaunes, avec les accoutements des Waka. Quand on voit ça, on se dit que voilà une vendeuse de piments. Moi, elle m'habille comme une petite fille. On la voit, on dit que voilà les vendeuses de piments. Elles viennent sailler, on la permet. Dans la peine, elle peut pas marcher avec les femmes. Vous n'êtes pas dans son. Vous n'êtes même pas dans son calendrier. Vous allez prendre vos photos, seulement pour venir honorer dans les réseaux sociaux. C'est pas vrai, lui. Elle est sur la première dame. Toi, tu vas défendre la première dame. Elle dit que tu viens la défendre. Elle a ses gardes du coin, elle a son staff technique. Tu son staff de communication. Tu es qui pour la défendre? Quand je l'ai défendue, tu étais où? Quand je l'ai défendue, tu étais où? Elle a parlé ici. Et j'appelle le père de la police, Papa Mbagangeli. Tu as fait quoi pour les œuvres du père de la police, Papa Mbagangeli? Moi, j'ai valorisé son travail quand il a ouvert les passeports. Quand les passeports français, les passeports camerounais ont commencé à sortir à 48 heures, j'ai fait une vidéo où je l'accompagne dans son travail. Toi, tu as fait quoi pour lui? Quand il faut faire le trafic d'influence, appelez Papa Mbagangeli. Gars, je suis en direct, pardon. Je coupe d'abord.